Bonjour. Alors, bonjour, bienvenue à cet entretien 50 ans de littérature avec Jacques Godbout dans le cadre de la série 50 ans de culture présentée par Bibliothèque et Archives nationales et par l'UQAM pour le 50e anniversaire du ministère de la Culture du Québec. Alors, pour aborder 50 ans de littérature, notre choix s'est arrêté sur Jacques Godbout, l'un des témoins les plus actifs du monde littéraire québécois, écrivain, essayiste, journaliste, cinéaste, l'un des fondateurs de la revue Liberté, premier président de l'UNEC, président du conseil d'administration des éditions Boréal. Jacques Godbout a marqué les lettres québécoises autant par sa plume que son engagement au sein de leurs institutions. On peut dire de l'homme qu'il a vécu de l'intérieur l'odyssée de la littérature québécoise. Alors, merci de votre présence et commençons. Bonjour, M. Godbout. Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, parlons de votre enfance pour commencer. Que lisait-on dans la famille, dans une famille canadienne-française dans les années 40? Et quels étaient les écrivains à la mode? Bon, écoutez, ça dépendait des familles canadiennes-françaises. Disons que les peuples catholiques n'étaient pas invités à lire en général. Ça se pratiquait surtout chez les protestants. C'est pourquoi, quand ils lisent la Bible, ils sont divisés en un certain nombre d'églises. Donc, on n'encourageait pas la lecture. Il n'y avait pas de librairie ou à peine deux, trois. Mais il y avait les bibliothèques. Et dans chaque maison, il y avait peut-être ou le Reader's Digest ou quelques livres. Chez moi, quelques livres d'histoire, quelques Canadiana, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des livres écrits par des auteurs québécois ou canadiens français. Et puis, mais pas grand-chose. Moi, je dirais peut-être 50 bouquins, mais dans beaucoup de familles, il n'y en avait pas un seul. Mais les bibliothèques étaient quand même là, même si elles étaient rares, même si on refusait de nous laisser lire tout ce qu'on voulait. Il y avait quand même une curiosité. Et un respect du livre? Ben, un respect du livre, oui, pour ceux qui aimaient la lecture, mais ça n'était pas encouragé. Soyons honnêtes, beaucoup de membres du clergé disaient que la lecture fatiguait les yeux. Vous avez fait votre scolarité chez les Jésuites. Comment on y abordait la littérature? Comment on voyait la littérature nationale alors que la littérature française était reine dans le cours classique? On la voyait pas du tout. Le cours classique est un cours qui a été mis au point au 19e siècle et qui nous était proposé en plein milieu du 20e. Ça comprenait la lecture et la connaissance des auteurs grecs, latins, et puis en littérature, celle de la littérature française. Alors on passait du Moyen Âge à Paul Claudel, si on veut, et d'époque en époque par la poésie et la prose. C'était en même temps une histoire de la France. Quelques professeurs de temps à autre proposaient un auteur québécois, mais c'était très, très rare. En fait, c'était pas le but. Le but du cours classique, c'était d'instituer chez l'élève un esprit critique et pour le reste, de l'insérer dans le grand panorama occidental. Et qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement, ce cours classique? La capacité de discuter avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, et en général de gagner. La télévision d'État avait une influence importante aussi sur la société, la culture. Il y avait beaucoup plus de journaux qu'aujourd'hui. Ah oui, mais c'était pas la télévision d'État que vous connaissez, jeune fille. C'était une télévision d'État qui venait d'être créée et qui avait été confiée pour la partie fictive à des gens de théâtre. Mm-hmm. Et pour la partie, pour le reste, l'information et le reste, ça avait été confié à des intellectuels. Alors, on avait à l'écran les Judith Jasmin, Le Moine, des Jacques Languirand. Il y avait plein de gens, des René Lévesque. On avait plein de gens qui pensaient par eux-mêmes et qui occupaient facilement André Laurendeau, rédacteur en chef du Devoir. C'était des gens qui occupaient une heure de télévision par eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est impensable. Quand vous avez réussi à passer deux idées en trois minutes, y a de la pub. Et justement, il y avait plus de journaux à l'époque qu'aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Il y avait plus de journaux, mais surtout, les gens dans les journaux s'intéressaient beaucoup à ce qui s'écrivait. Mm-hmm. Alors, rapidement et de mémoire, là, moi, je me souviens qu'il y avait La Patrie, Le Petit Journal, Le Photojournal, qui avait plus que des photos, Le Canada, qui était le journal libéral,
La presse, Le Devoir, etc. C'était tous des journaux de droit, l'Action catholique à Québec. Tous ces journaux-là avaient des chroniqueurs, et en général, quand vous regardez, parce qu'il y a eu une exposition ici à la bibliothèque il y a quelques années de ces pages, vous découvriez qu'il y avait des chroniqueurs qui avaient des sacrées plumes. Alors, c'était les Jean-Louis Gagnon, Gilles Hénault, c'était tous les gens qui par la suite ont été très importants dans le monde intellectuel. Beaucoup de livres étaient à l'index. Alors, comment faisiez-vous pour lire les livres et comment avez-vous vécu l'index? Parce que c'est quelque chose pour ma génération qui semble une absurdité, l'index. Oui, mais et la censure des films aussi, ça vous paraît absurde, bon, mais ça existait. L'index était une merveilleuse chose parce que finalement, les livres sentaient le soufre, ce qui sent le soufre sent le diable, donc on se dirigeait entre autres chez M. Leméac, qui à l'époque n'était pas une maison d'édition, mais un libraire, et qui nous vendait sous le comptoir les livres défendus. Et plus les livres étaient défendus, meilleurs ils étaient, bien évidemment. Cela dit, la censure était sévère. Quand j'étais à l'université, j'ai voulu faire une thèse sur Sartre pour ma thèse de maîtrise. Et on m'a dit non, il n'est pas catholique. Et vous savez que l'Université de Montréal était une université papale. Donc, c'est le pape qui décidait. Ma femme, par contre, a fait une thèse sur Camus, parce qu'on croyait que peut-être il pourrait quand même être baptisé avant de mourir. Mais il y a eu un accident de voiture. Parlons des précurseurs de la Révolution tranquille, notamment du manifeste du refus global. Un manifeste mythique aujourd'hui, mais comment était-il perçu à l'époque? Qui le lisait? Qui s'en est inspiré? Et... Ben, vous avez à l'écran la Bordua qui discourt et Jacques Ferron qui l'écoute. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait que Jacques Ferron pour l'écouter. Très honnêtement, 48, le refus global... Zéro influence sur le milieu des étudiants. C'était trop loin. Ce qui nous influençait, par ailleurs, c'était de lire et de voir des auteurs canadiens-français comme Gabriel Roy ou Roger Lemelin ou Guévremont ou Gilles Hénault ou André Langevin. Tous ces gens-là qui publiaient des romans nous intéressaient. Mais ce n'étaient pas des idéologues. L'idéologie, elle était, après Bordua, là, qui de toute manière est... parti à Paris, l'idéologie, elle était du côté de la JEC, de la JOC, de la CJC, qui étaient toutes des organisations de jeunesse catholique et qui débattaient des grandes histoires. Et jusqu'à un certain point, je dirais que de 50 à 60, là, l'espace était occupé surtout par des discours politiques. Et c'est pas étonnant que ces gens-là, Gérard Pelletier, Pierre Trudeau et compagnie, Marchand, se soient retrouvés en politique à Ottawa. Nous, en littérature, on n'était pas vraiment choyés. La littérature française, Paris, était un phare pour une génération. Alors, expliquez-moi l'ascendance de la culture française pour les aspirants écrivains de votre époque. Ben, écoutez, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'après la guerre, la littérature française avait encore une énorme ascendance sur l'ensemble de la littérature en Europe. Il y a eu Saint-Germain-des-Prés qui avait le côté un peu Gavroche et aussi auquel s'ajoutaient les chansons de Madame Gréco, Sartre, Camus, Malraux. Tous ces grands noms occupaient un espace phénoménal et le rêve d'un jeune écrivain qui à 18 ans pouvait commettre un texte pour Radio-Canada et à 20 ans peut-être publié aux éditions au Cercle du Livre de France, n'avait pas beaucoup de choix. Alors, l'idée de publier à Paris était un rêve que nous avions tous. Je le sais pour l'avoir vécu, je sais pour avoir vu Anne Hébert le vivre, je sais pour avoir vu Marie-Claire Blais le vivre. On était très nombreux à rêver de publier à Paris parce que, finalement, les maisons d'édition étaient à Paris. Elles n'étaient pas à Montréal. La littérature commençait à peine à exister. Un détail que je trouve important, c'est que pour cette génération, la poésie était la voie royale de la littérature. Il fallait passer par elle bien avant d'écrire un roman. Aujourd'hui, tout le monde veut écrire des romans, mais la poésie était vraiment importante. Le plus étonnant, c'est que la poésie se vendait, s'achetait, s'échangeait.
Maurice Duplessis disait que, quand il voulait mépriser quelqu'un, que c'était un poète ou un joueur de piano. Il y avait chez les jeunes un besoin d'affirmer la poésie. Il y avait beaucoup de talent. Il y a une toute petite maison d'édition qui est née en plein milieu de, entre les années 50 et 60, l'Hexagone, au coin de la rue Mekena et de la rue Lacombe, presque à côté de chez moi. Et tous ces gens qui publiaient là, de Miron à plus tard, les Pilons, Ouellette, La Pointe et compagnie, ces gens-là avaient à cœur la poésie. Ils avaient des références, René Char en France et d'autres, Aragon. C'était un grand moment de littérature. Et pourquoi écrivaient-ils de la poésie plutôt que des romans? Ben d'abord parce qu'ils étaient jeunes, que c'est un passage presque obligé de la poésie au roman, au théâtre, à l'essai. Sauf que les grands poètes, les vrais poètes, restent dans la poésie et même à 50 ou 60 ou 70 ans, continuent à écrire de la poésie. Les autres, comme moi, finissent dans le roman. Mais comment était perçu le roman? Ben, il n'existait pas. Il n'y en avait pas. Il y en avait à peine quelques-uns. André Langevin était le romancier le plus connu, le plus célèbre. Quelques autres publiaient. Il y avait évidemment les romanciers des années 40 qui existaient encore. Madame Roy continuait à publier, etc. Mais c'était du roman canadien-français, réaliste. Et nous rêvions, à tort ou à raison, d'inventer une littérature qui soit pas canadienne-française. On a cherché un nom longtemps, on a décidé de l'appeler québécoise, et après ça, comme les gens de la ville de Québec n'ont pas protesté, on a continué à l'appeler la littérature québécoise. C'est devenu pour le pays du Québec, et les poètes en question étaient ce qu'on appelait les poètes du pays, beaucoup d'entre eux, Giguère et les autres. Tout ce qu'ils écrivaient, c'était pour donner un nom à ce qui nous entourait, pour donner naissance à une nation, finalement. Alors, la littérature nationale est née de la poésie. En 1959 est fondée la revue Liberté, plus littéraire que politique, oui, pilotée par de jeunes intellectuels qui voulaient prendre la parole. Alors, racontez-nous la genèse de cette fondation et quelles étaient les aspirations de ses fondateurs. Bon, c'est parti d'une espèce d'agacement vis-à-vis de la revue Cité Libre. La revue Cité Libre était publiée par les gécistes de tout à l'heure, là. Nous voulions d'abord parler de littérature, parler de culture et non pas de politique, parler de culture et non pas d'économie. Et Jean-Guy Pilon a invité un certain nombre de poètes et d'écrivains à se réunir chez lui pour fonder une revue. On a donc fondé en 59 une revue littéraire, d'abord culturelle. Il y a eu dès le départ, évidemment, une chicane entre nous, c'était merveilleux. On était 10, on s'est retrouvés 5. Mais ceux qui quittent ont toujours tort. Ça, j'ai appris ça plus tard. Je suis resté cette fois-là. Et finalement, on a fait une revue qui est encore aujourd'hui publiée par d'autres équipes qui se sont remplacées sur plus de 50 ans. C'est quand même renversant parce que le point de vue, c'était que tout peut se traiter par des écrivains avec un objectif culturel et non pas par des théoriciens. Donc vraiment, c'est l'idée de l'intellectuel telle qu'on... C'était aussi un milieu. Vous savez, Chantal, à l'époque, il n'y avait pas de terrasses. Hein? Elles sont apparues après l'exposition universelle. Il n'y avait que des tavernes et quelques restaurants grecs. Donc, où des intellectuels, écrivains, poètes pouvaient se retrouver, sinon...